dizaines de dizaines de jeunes Haïtiens qui, après avoir été trompés par les trafiquants sans scrupule, ont traversé la frontière et ont marché des journées entières dans les broussailles. Je me souviens particulièrement d'un jeune Haïtien. Les militaires dominicains lui avaient volé ses souliers. Il est arrivé chez moi les pieds gonflés et rempli des prises. Je l'ai fait s'asseoir devant la croix. Dans la salle à manger, il était habitué. Je me suis agenouillé devant lui. Et j'ai commencé à lui enlever les épines de ses pieds. Et j'avais l'impression de toucher les pieds du crucifié de Nazareth. En regardant cette croix, je vois les larmes de Nicolas, un jeune coureur de canne à sucre de la région de Bordeaux. Il avait traversé la frontière avec sa femme, ce qui est une exception. Un soir, le gardien d'un baraque lui avait volé sa femme. Et un matin, dès 5 heures, il arrive chez moi et il commença à s'embloquer.